Faire sauter cet immeuble n'a pas eu l'effet escompté. Le ministère l'a purement et simplement détruit. Enfin, voyons le bon côté des choses. Jade veut bien coopérer avec moi. T'as besoin de nouveaux matos? Voilà, là on peut reprendre nos affaires, chers amis. Alors, que se passait-il de beau? Ils vont aller voir Jade. Dernière nouvelle, on a fait péter un immeuble. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est vraiment des conneries, hein. T'arrives pas à te décider? On est bien. Alors, 167 mètres. Deux dans le nez, une tyrolienne peut-être. Salut mec, tu te fais pas chier là. Tellement pas confiance. Ça c'est rouge ça. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, moi je l'ai vu. Moi je suis juste en face là. Ils sont genre nombreux sur la place. Lui là, avec ses trucs roses. Deuxième fois qu'on le croise et qu'il fait que nous esquiver. Oups, pardon monsieur. T'es feinté ma grosse. Hop. Alors, nous sommes dans l'immeuble rouge, je suppose. Pas touché, Quelqu'un m'entend? C'est Daoul. Je suis avec un petit enfant. On a besoin d'aide. Il m'a mordu. Je me transforme. Oh putain, cet enfoiré de Daoul. J'arrive, David, j'arrive. Merde. Tout calme, s'il vous plaît. J'ai pris le mur, mec. Oh, je vise comme un pied. Réglons le problème. Il en sort de partout. C'est fâcheux cette affaire. Faisons diversion. Buvons un petit coup. Reprenons. Ils sont où? Oups, punaise. Salut. T'as raté ton coup, Michel. Alors, on est au bon endroit, mais on va aller chercher cet enfoiré de Daoud. Alors, aider Daoud, perdu dans l'espace. C'est tout à fait ça. Un petit peu de natation, ça coûte rien. Tu vois, en cas de galère, on peut toujours venir pêcher. Salut mec, ça va? Viens nager avec moi. Elle est bonne. C'est quand même plus sécure de nager que de marcher dans la rue. C'est grand en fait, hein, la flotte, c'est impressionnant. Il n'y aurait pas des algues par hasard? Je suis en galère. Non, pas d'algues, pas d'algues. Daoud!
Oh merde. Mais, madame, s'il vous plaît. Voilà, vous calmez maintenant. Reprenons. C'était chaud. C'était quoi ce bordel? Oh la vache. Alors, Dawood. T'es à l'étage du bas, Dawood. Ça l'a pris. Oh la vache. Tu montes jusque là? Tu montes jusque là? Oui? Non? Peut-être? Non. Alors, Dawood, mon cher Dawood. C'est compliqué de t'atteindre, mon cher Dawood. Pourrions-nous ouvrir la porte ici, non? C'est très frustrant, tu es tout près et si loin en même temps. Alors... Un petit peu de bouffe, ça fait jamais de mal. Comment on te rejoint, mon pote? Oh putain, ça c'est Dawood, ça. Ça, c'est pour t'être foutu de ma gueule. Et ça, c'est pour ta femme. Et de la part de ta femme. Ton fils. C'est pas ton fils, quand même, ça. Oh! Sammy, c'est Monsieur Crane, t'es là? Oui, mais t'es où, Sammy? T'es là? Va-t'en! Fiche-moi la paix! Tout doux, gamin. C'est terminé. Tu vas bien? Mon papa a été blessé. Il a dit qu'il devenait comme les autres gens malades et qu'il pouvait plus me protéger. Il a dit que si je sortais du placard, il me ferait du mal. Mais qu'une fois qu'il serait vraiment malade, je serais en sécurité parce qu'il aurait oublié que j'étais là. Ton papa t'a sauvé la vie. Où est-il? Il est parti, Sammy. On pouvait rien faire. Maintenant, je vais te ramener à ta maman. J'aurais bien aimé rester avec elle. Ok, petit. Et là, du coup, tu me suis? Je t'écoute. J'ai un petit garçon avec moi. Il a vécu des moments difficiles. Il va falloir l'aider. Tu auras quelqu'un dans 5 minutes. On peut le ramener à sa mère à la tour? Je l'y amènerai moi-même s'il le faut. Merci, Etrai. Mon pauvre petit, t'as pris cher. Bon, ton père c'était pas tant un connard que ça, il t'a quand même sauvé la vie. Il voulait que tu vives. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a fait tout ça, on peut pas ouvrir là. Non. Ok, ok. Reprenons. Jade. J'ai une vie mouvementée, hein. Ça va jouer discretos. Oh, c'est bien Jade la quête là. J'ai une quête pour vous, rendez-vous. Tout à fait. Reprenons. Oula. Plus safe. Et dur, porte fermée. Ça passe, incroyable. Vous êtes vraiment con, hein. C'est fou. Ouh, toi t'as l'air moins TB que les autres par contre.
Ouh. J'ai cru que ça allait pas passer pendant deux secondes. Bonjour. Je suis pas le seul à aimer la natation, à ce que je vois. Tout doux, Jackie. Vas-y, campe, campe. Mettre en dessous. Oula! Ah, y'a pas de porte? Oh, tu vois. Alors, Jade. Oula. Il m'a pas vu. Il m'a vu? Lumière! Jade? Ah. Jade! Jade! Troy, ici Crane. Rice a capturé Jade. Il la garde dans un musée quelque part. Tu sais de quoi il parle exactement? Un musée? Ah oui, oui. Rice y a installé son QG. Crane, ne va pas là-bas. C'est une véritable forteresse. Ce serait foncé tête baissée dans un piège. Pas sûr que ce soit un piège. Enfin, il doit bien y avoir un moyen d'entrer en douce. Pour les prendre par surprise. Je sais pas. Peut-être Tariq. C'est le conservateur du musée. Il doit sûrement bien connaître les souterrains qui courent sous cette forteresse. Bien, je vais aller lui parler. Ok. Il y a un immeuble avec un jardin sur le toit. C'est là que se trouve Tariq. Dernier point. Si tu peux, trouve-toi de nouvelles armes. T'en auras besoin. Ok. Résumé, c'est la merde. Bon. Et ben voilà. Un héros seul et des baskets qui puent. Super. Bonjour. Oh, ils sont nombreux, hein. Faites place. Youp. Oula. Non, je veux pas t'accrocher. Bon. Reprenons. Enfin, c'était sûr qu'il allait se relever. Ils sont pas contents, hein. Alors, quête, le musée, trouver le conservateur du musée. Jusque là, ça me semble simple. Ma petite coupe. Allez, les amis, je m'en vais. Oui. Et lâchez-moi. Je sais que vous voulez qu'on soit proche, mais... C'était chaud. Chopez cet enfoiré. C'est quoi ça? Quand deux groupes se rencontrent, que se passe-t-il? Vous êtes nuls, les mecs. Allez, bonne chance. Oula. Allez, tout le monde se ramène. Cadeau les gars, bonne chance. Aïe. Bon.
Voilà, laisse-moi tranquille, c'est bien. Ils sont vraiment cons ces zombies, c'est fou. Merci. On sort comment toi? Oh dur la vie hein. Allez bonne chance hein. Oh je l'ai loupé. Meurs vite s'il te plaît. Je me camoufle. Voilà merci. J'ai juste besoin de tes entrailles. Merci. Ah, tu te sens con hein. C'est ça, va faire un coup, un footing, pardon. Vas-y, accroche-toi, donne tout ce que t'as. Bien. Si nul que ça en fait. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Normal. T'es là, tu passes le balai. C'est toi le nouveau traceur. Moi c'est Bajram. J'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai des sous. Beaucoup de sous. Et grâce à moi, tu vas pouvoir devenir riche. Mon éclaireur repère un prédateur intéressant et le traceur agite un drapeau rouge devant lui. La poursuite commence alors et continue jusqu'à ce que tu le sèmes ou que tu te fasses bouffer. Personnellement, ça m'est égal. Combien ? Vu que tu démarres, la récompense sera pas très élevée, mais elle va augmenter au fur et à mesure. Si tu te débrouilles bien. D'accord, Jean-Jacques. On verra ça plus tard. C'est toi qui as secouru ce petit garçon ? Comment va-t-il ? Il est en route pour la tour. Brecken avait envoyé un messager qui devait revenir dans tous les cas. Alors il a juste pris Sammy avec lui. Il sera avec sa mère d'ici demain. Merci. Content de l'apprendre. Peut-être que je le croiserai à la tour. Nice ! J'irai voir Sammy. Bref. Tariq ? Vous voulez quoi ? On n'a rien ici, juste un peu de nourriture. Du calme, c'est Troy qui m'envoie. Troy ? Dieu merci. Je suis une boule de nerfs depuis que j'ai trouvé ce gamin. Il n'a plus personne, mais je suis pas très doué avec les enfants. Je suis pas là pour ça. Mais Troy avait promis d'envoyer quelqu'un. Je dois entrer dans le musée. Dans le musée ? Mais Troy avait dit qu'elle enverrait quelqu'un m'aider. Elle avait promis... Ok Tariq, vous me dites comment entrer dans le musée, et j'essaierai peut-être de régler votre problème. Rice contrôle le musée. Il vous tuera dès qu'il vous verra. Il ne doit donc pas me voir. Troy m'a dit que vous étiez le conservateur. Si quelqu'un connaît un autre chemin pour entrer, c'est vous. Je fais comment ? Vous avez du matériel de plongée ? Non. Dommage. Il y a une entrée dans l'étang des émeraudes, mais la plongée serait trop longue sans équipement. Vous finiriez très probablement noyé. Il y a une différence entre très probablement et sûrement. Je vais quand même essayer. Super. Ça semble prometteur. Bonjour madame. Pas très causante, la dame. Ouh, j'aime ce poster. Bozek. Qui est un DLC du jeu, au passage. Il y aura à faire plus tard, bien sûr. Ah non. Ouais. En résumé, pas grand chose d'efficace. On s'approche de la fin du jeu. Donc, dit fin du jeu, dit difficulté maximale, dit je vais me faire buter. Ah. On va aller faire 2-3 trucs avant. Allons s'équiper, n'est-ce pas? En point de compétence, principalement, d'ailleurs. Reprenons. Alors, les primes, j'en ai rien à foutre, mais... Voilà. Logis du soleil, parking souterrain. Tunnel à naissante. Ça a l'air accueillant. Je serais plutôt championnat mondial d'athlétisme. Ça me semble cool. C'est dans le coin, non ? Mais c'est même juste à côté, sublime.
Et à ma droite, tu aurais un... caisse de ravitaillement. Ok. Oh mais non, mais... c'était pas prévu comme ça du tout. Je suis censé t'assassiner. Aïe! Ça tombe bien, moi non plus. J'arrive! T'as pas tort. T'as raison. On va te respecter un peu. Voilà, ça c'était pour son copain. Raté! Aïe! Oh bah ta tête, mec! Dommage. Oh là là, quel carnage! Bon. Ça peut pas marcher du premier coup à chaque fois. Nice! Alors, ce cher logis du soleil. Quel endroit accueillant. Ni vu, ni connu. J'accepte. Ok. Changeons un peu d'équipement. Les fusées, j'en ai rien à foutre. Les molotovs, c'est toujours utile. Ah ouais, j'ai pas grand chose en fait. Booster de vision nocturne. Ça a l'air plutôt sympa comme endroit en fait. Ok. Il y a une caisse là-dedans. On crache pas sur des soins. Ça fait un bail que t'es là toi. Ça se sent. Ok. Pour un booster de vision nocturne, c'est pas le top du top, hein. On a vu mieux. Oh. Ah, vous avez une bonne vue, hein, même dans le noir. Hein. Bon, bah, quand faut y aller. On est sur un bon départ là. Oh merde. Deuxième round. Plus curieux, là. Reprenons. Mort. J'adore ce truc. Excellent.
contre, ils sont solides. Ah, je pense que ça les a calmés. Alors. Oh bah non. Recharger d'abord. Oui. Ok, je sens qu'ils ont oublié la clé. Et qu'ils sont tous là-dedans. Sublime. Fouillons un peu la zone avant. Ok. Raté. Oh merde. Mais non, t'as pas compris. Je voudrais la version normale de mes flèches, s'il vous plaît. Caisse de ravitaillement, caisse de ravitaillement, caisse de ravitaillement. Caisse de ravitaillement. Magnifique. J'avoue, il est mal fini quand même, c'était rigolo. Ok, ok, ok. Faut pas gâcher. Ah, bah, rien que ça. Saloperie. Ok, ok. Ça, ça en a énervé du monde, je crois. Hein. J'ai l'impression. Hein. Peut-être une bonne arme, on sait pas. Fort stylé ce couteau. Ben un couteau bleu fabuleux. Je suis conquis. Peut-être un peu plus de chance là-dedans. Waouh, une masse. Totalement inutile. Suivant. Parce que ça, voilà, c'est la porte d'à côté. Ici, on n'y a pas accès. Voilà, tout doux, tout doux. Merde. Allez. Allez, on y croit. Oui. Oh mais quelle arnaque. Je me suis fait avoir comme un bleu, moi. Mais je savais bien que t'avais bougé, toi. J'aurais passé ma vie à crocheter dans cet immeuble. J'ai l'impression de jouer à Assassin's Creed. Cool. Moi, je viens juste chercher les caisses de ravitaillement, Maurice.
Je suis à 1/5 là, c'est fâcheux. Oh, ils en ont pas marre. Oh merde. Alléluia. On a réussi. Tout ça pour ressortir par là. Sublime. Bon, j'ai dû en louper une, quelque part, c'est sûr. Ça, c'est fort utile. Je vous laisse vos chaussures, par contre, m'en voulez pas. Oh zut. Ça s'énerve de partout dehors là, c'est... genre vraiment pas rassurant. Qu'est-ce que j'ai loupé là? J'ai pas réussi à atteindre cette chambre là. Pas une porte entre les deux, non? Qu'est-ce que j'ai loupé? Ouvrez-moi! Bon, ça m'ouvrait pas. Ça, c'est là d'où je viens. Ici, j'en ai trouvé qu'une seule, dernière nouvelle. Je pense qu'on a fait le tour. Taïo! Faut plus me faire ça, mec, hein. Il m'a fait flipper grave, mec, hein. Waouh. Oups. Ne pas tomber en bas. Coucou. Oh, merde. Oh merde. Touchez le chat. Ça va charcuter un max. Reprenons. Petit barbecue. Ah, maintenant ils sont en feu, c'est génial. Aïe. J'aimerais bien me banigeonner de tes entrailles. Voilà, merci. On y voit plus clair. Sacré bordel. Bien ça. Une porte ouvrable. Sublime. Et ça vient. Oh, grave perdu, mec. Moi aussi je sais le faire. Hein. Un petit con. Sa mère. J'ai réveillé du monde. On va se marrer. Bonjour. Je vais chercher les caisses. Sublime. Merci bien. Petite douche au passage.
Petite caisse de plus, ça met de bonne humeur. 4 sur 5. Avant de repartir, une confection kit de soins s'impose. Plan. Putain, ça en fait des choses à fabriquer. Hop. Je suppose que voilà, là on est déjà venu, on est d'accord. Et il reste plus que la chambre ici. Hein. Recharge, recharge, vite. Oh, je suis mauvais. Bon, vu qu'on se regarde. Trop d'hésitation, chérie. Trop d'hésitation. Désolé, petit. Ouais, catégorie sale gueule. Waouh. La caisse. Je suis là pour une caisse. Forcément. Je suis mauvais. Oui, je m'y résigne. Mais... Voilà. Très efficace quand même. Hein. Faut admettre que là, je suis séduit. Où est donc cette caisse finale? Bon, fouiller un peu au passage. On sait jamais. Un peu plus créatif. Épée bâtarde. De merde, je suppose. Eh oui. Forcément. Fort. Dernière caisse. Magnifique. Ah oui, j'étais tout seul, ouais, j'ai gagné. Hein. C'est... Ouais, je suis premier. Incroyable. Truc de fou. Rendez-moi mon carreau d'arbalète. Youpi. Il est quelle heure? 21h30. Fâcheux. Pas moyen de sortir par là. Alors. Ah mais non, faut tout regrimper alors. Super. Ils arrêtent de taper, ils me foutent la pression. Les escaliers. Faire le plein, ça fait un peu de thunes, c'est toujours ça de prix. Rez-de-chaussée. Ah non. Bon. Ah là, les choses se compliquent. Torche UV. Ça me semble pas mal.
J'aimerais bien changer du coup. B, X, A, R, annulé. Non, je suis obligé de l'annoncer. Bon, allez, je l'annonce. Super. Troy connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse au départ et Rice en avait fait son plus gros avant-poste dans le secteur 0. Je dois y aller avant que Jade soit blessée. Ou tuée. Ou pire encore. Pire encore. Pire que la mort. Zombie. Mmh. Là, pas de bruit. On se cache. Chut. Zone sécurisée, à ma gauche. Youpi. On avait quoi en bas à l'accueil? Un bon vieux rapace. Tout beau, tout propre. Ça va, Maurice? C'est quoi là? Il est sérieux lui? Inspecte plus rien le mec. C'est ça, casse-toi. C'est chez moi ici, mec. Ouhou. Salut, grosse ambiance. Tu m'attendais, hein? Tu nous as fait bouillir quoi là? C'est de la weed? C'est de la weed? Dis-lui, c'est de la weed. De toute façon, je l'aurais déjà senti, c'était de la weed. Namasté. Eh, je vais me coucher. Tendu cette affaire, hein? Eh bien, c'est bien embrumé hein, ce matin. Je cherche un wholesaler, l'équivalent du moins. Il doit y en avoir un ici. C'est quoi ça? De l'eau. D'accord. Encore de l'eau. Et encore de l'eau. Je suis ravi d'avoir de l'eau. Micheline, tout doux. Reste calme. Oh, ça passe. Incroyable. Non. Non, non. Mieux. Mieux. Beaucoup mieux. C'est où l'entrée? Un petit côté Paname quand même, hein. Ça ressemble aux immeubles haussmanniens un peu, dans le style. Lointain. Ouf. Bonjour. Vous êtes viré. Merci. Tu t'es fait un bon gueuleton avant de crever quand même. Alors. Oh, je regarde ce que c'est que ce mec habillé avec... en chaussures roses là parce que... Oups, pardon. Pardon. Je pense qu'il doit y avoir un défi, quelque chose. Ça va être un VIP, tu vois, un zombie VIP. Cherche l'intendant, chers amis. Non, toi t'es le vendeur. Ça doit être au-dessus, l'intendant. Dans la logique. Es-tu l'intendant? Non. Es-tu l'intendant?
Non plus. C'est fâcheux. Étage du bas. Si tu passes par la fan zone, essaie de savoir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras par toi-même. Quelqu'un appelle à l'aide. Il y a des femmes et des enfants. Oh, ça pue le plan pourri. Ah bon. Merci quand même. Je cherche l'intendant. Vous sauriez pas où il est. C'est le vendeur. Putain, c'est carrément pourri comme fusil ça. Produit chimique, c'est toujours utile. T'arrives pas à te décider? Non, je cherche l'intendant. C'est pas plus compliqué que ça. Putain, où est-ce qu'il est ce con? T'as rien, attendant ici. Boutique, boutique, boutique. Bon. Pas se compliquer la vie plus que ça. Troy connaissait le musée dont Rice parlait. C'était une forteresse au départ et Rice en avait fait son plus gros avant-poste dans le secteur 0. Je dois y aller avant que Jade soit blessée. Ou tuée. Ou pire encore. Oh, t'ouvres trop ta gueule, hein, Maurice. Hein. Franchement, là. Fatigant. Bon, du coup on va se battre, on va avoir besoin de beaucoup de soins. Viens, toi. Je vais te faire... On va aller chercher la gaz. C'est par où? C'est par là. Attends, attends. Truc pas con à faire avant. Hop. Je sais. Compétence. Ah, mais on est pas loin du niveau d'après, carrément. C'est beau. Ça me ferait chier de crever, là. Ah bon. 240, 130, 56. Ouais. Allez, soyons fous. C'est vraiment une jolie ville dans le temps. Alors, on va finir dans un petit coin bien sympa que je connais bien. Ah bah en plus, il y a une prime là-bas. Bien bien loin. Sept heures dix, j'ai l'impression que la nuit va tomber. Au secours. J'adore ce coin, un petit bidonville. Aïe. Chiffatine, arrêtez de manger des termites sur un bâton et rappliquez immédiatement. C'était assez simple. Oui, mais tu n'as pas relâché le bouton de communication. Et qui t'a dit que tu pouvais utiliser ma radio? La même personne qui t'a dit que tu pouvais manger mon sandwich. Tu devais préparer à déjeuner pour nous deux. Débrouille-toi pour déjeuner, intellectuel de bas étage. Merci les gars. J'ai vu... Ah... Lichen toxique, mon ami.
Ken toxique. Très pratique pour fabriquer armement. Ouh, tu m'as l'air perdu, toi. Ouf. Ouais. Dans tous les cas, c'est compliqué, là. Elle m'a pas laissé le choix, hein. Au secours. Alors... Et là, c'est parti pour de l'escalade. On voit que dalle. Ne pas ouvrir cette porte. Encore au-dessus. Oui, encore au-dessus. En tout cas, la vue est fort sympathique. Il faut l'admettre. Doudou. N'ouvrez pas cette porte non plus. Ah bah si, en fait, si, peut-être. Quoi, je me suis arrêté une porte trop haut ou quoi? Non, une porte trop bas, on est d'accord. Bienvenue à la zone sécurisée. Alors... Voilà. Oula, faut plus me faire ça, hein. Je suis chié dessus, moi. J'ai loupé. Ah. Bienvenue en enfer. Voilà. Se taper tout ça. Voilà. Nous avons toujours les cocktails Molotov et les pétards. C'est très pratique. Molotov, Molotov. Hop. Pour le coup, on va shooter un peu aussi dans le tas. Mmh-hmm. Alors les copains. Grouper un peu plus. Wouhou! Si vous êtes sacrément massif, hein.
Aïe, aïe, laisse-moi passer, s'il vous plaît, merci. En gros, ils sont juste bien cuits, quoi. Ça sert à rien de calmer le jeu. Les scalper là depuis mon truc là. On se repose un peu. Reprenons. Vous avez guéri SM en vous. Voilà. Il m'a gerbé à la gueule. Aïe! On ne mord pas. Oh, attends. Aïe! Je voudrais juste vous balancer dans le vide en fait, ça a l'air d'être marrant. Salut! Où chier les chiens? Ils sont trop nombreux. Ah, tu veux retenter ta chance? À ton honneur. Putain, c'est massif. Loupé, dommage. Finalement, c'est pas si long que ça. Par contre, ils encaissent. Reprenons. Ils sont hargneux, hein. Ouh. Bonjour. C'était pas vu depuis un bail. Je voulais lancer quelques molotovs, si je me souviens bien. Ma voiture, mon taxi. Il me crache dessus carrément. Oh, ce combat de l'infini. Petite grillade champêtre. Pardon, pardon. Je voulais pas t'offenser, voyons. Fait que c'est pas comme ça. Ils sont plus si nombreux que ça, hein. Allez, tout le monde sur le groupe, s'il vous plaît. Rigolo ça. Oui, ça brûle.
T'avais l'air de te poser des questions, chérie, c'est... Pas se poser de questions. Essaye de me bouffer, c'est tout, fais ton taf. Quel massacre. Eh ben ça c'est fait. Alors, si on est venu ici, c'est pour péter la gueule aux zombies parce que c'est rigolo. Calme-toi. C'était la feinte. Oh mais ils sont combien? Ça s'arrête plus. Pardon. Lâche-moi. Pas moyen de grimper sur la tente? Dommage. Voilà, c'est toi que je veux. Mais elles sont deux! Les jumelles. Bordel. Commencez à me gonfler sévère. Se coucher, toi. Il est pas mort, ce fou. Et il crève pas. Bon, si je leur tire pas dessus, c'est vrai que ça va être pas mal. Ça résout les problèmes, hein. Gardez votre calme. Faut que ça s'arrête par contre. Dans le bras, pas de chance. Elle va me buter si ça continue. Je me soigne, tu comprends, Jacqueline? Putain, laissez-moi tranquille, bordel. Putain, je vais crever. Au secours, je vais crever. Monte pas. Entends? Putain, ça s'arrête plus. On n'est pas passé loin de la mort. Je vous le dis. Non. J'ai pas le temps là. Bon, mes mots pour la prochaine fois, prendre des armes silencieuses. Donc les ressources ici, c'est les medikits. Voilà. Youpi. C'est ça que j'ai besoin en masse. Hop.
plus de gaz, pas de machin, non, là y'a que dalle. Ok. Quoi, c'est tout? Non, t'as pas le droit. Ah, merci. Encore 2-3 copains, je crois, derrière. J'entends les gars respirer bien fort. Reste calme. Ça résout énormément de problèmes, ce marteau. Plus, toujours plus. Sous les tables, y'a rien. Là, y'a rien. Là, y'a rien. On a fait le tour, ok. Petit check par là-bas et on pourra s'en aller joyeusement. En dessous, bon là c'est des coffres de merde, ça c'est toujours à prendre. Ouais, je crois bien qu'on a tout raflé. Ah non, ah, voilà. Bon de faire un deuxième tour. Et voilà. Hop, nickel. Bon, on est bien. On est mieux. On est mieux, on est mieux. Bon. Merci. Zone sécurisée, dodo, salut. Ah, c'est toi que j'entends depuis tout à l'heure. Vous avez tout tenté, hein. Et si vous vous posez la question de pourquoi j'ouvre pas les camions de police, parce qu'il y a probablement que de la merde à l'intérieur. Voilà, voilà. Oh, un petit plongeon. Bonjour. J'aimerais bien plonger avec des copains. Tu veux tenter ta chance, chérie? Ah. Je crois qu'elle a l'air motivée. Elle est bonne? Pas de réponse. C'est qu'elle doit être bonne. Wouhou. Elle est passée où, la dame? Sacré merdier, au fond, hein. Vache. Bref. Éviter de se noyer, ce serait cool. Allez, donne tout ce que t'as. C'est 500 mètres final, mec. C'est les JO. Là-dessus. Magnifique. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. Donne tout ce que t'as. Non, tu veux pas. C'est pas grave. C'est quoi le problème? Allez, galérien. Harun, cette espèce de brute a banni ma sœur Aïda du village. Elle est veuve, avec deux enfants.
Yasmina et Jamil. Ils se sont faufilés sous la barrière pour suivre leur mère. Yasmina est revenue hier. Mais Aïda et Jamil sont encore dehors. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez retrouver ma sœur et mon neveu et les ramener? Je vais faire mon possible. Où est la fillette? Chez moi. Elle se cache d'Haroun. Elle pense qu'il risque de la bannir, elle aussi. Je vais peut-être aller parler à Haroun. Haroun? Fais pas le mec qui veut pas ouvrir, Haroun. Ça va m'énerver. Je vais prendre un coup de marteau. Super. Bon bah il est pas là, votre gars. Dans ce cas, vous feriez bien d'aller le chercher. Ça, c'est du dialogue de qualité. Vous pouvez pas me filer des plantes plutôt là? Ça m'intéresse tout ça, là, la lavande et tout, c'est cool, j'en ai besoin. Enfin, lavande. Lavande ou digitale? À vous de choisir. Hop. Oh, un pêcheur. Je cherche Haroun. Haroun? Je préfère avoir une rage de dents qu'être en sa présence. Si vous le voyez, poussez-le au fond d'un trou, d'accord? D'accord, d'accord. Ça a l'air d'être une personne appréciée du village. Yasmina, j'aimerais aider ta maman. Tu veux bien me parler? Ta maman est en danger. Je dois la retrouver. Elle est partie. Elle a été mordue. Haroun dit qu'on ne peut pas rester ici quand on a été mordu. Je vais l'emmener dans un endroit où il y a des médicaments. Ils ne la chasseront pas. Maintenant, tu veux bien me raconter ce qui vous est arrivé à ton frère et toi? Jamil et moi, on s'est glissés sous la barrière pour retrouver maman. Ça nous a pris du temps. Mais on l'a trouvée dans les maisons, derrière le tunnel. Sauf qu'il y avait un mordeur là-bas. Il m'a mordu. Alors ma maman l'a frappé sur la tête. T'as été mordu? Juste un tout petit peu. J'ai essayé de m'enfuir. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a mis dans une maison, et puis elle est partie chercher des médicaments. Quand elle est revenue, elle a dit à Jamil d'attendre là. Et puis, elle m'a emmenée chez le monsieur. Est-ce qu'il vous a donné le médicament? Oui, et il a dit qu'il nous en faudrait plus à toutes les deux. Mais que maman et moi, on pourrait rester dans son sous-sol pour lui servir de jouet. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais ma maman a eu peur. Elle l'a frappé et elle m'a dit de m'enfuir. C'est ce que j'ai fait. Tout va bien, Yasmina. Je vais la retrouver. Où est-ce qu'il vit, cet homme? Je ne sais pas trop. C'est une maison avec des marteaux et des haches. Et où se trouve ton frère? Jamil se cache dans la maison avec les fleurs rouges. Tu es une petite fille courageuse, mais tu dois rester ici encore un peu. Et rester loin de Haroun jusqu'à mon retour. Vous allez vraiment chercher mon frère et ma maman? Bien sûr que oui. Merci, monsieur. Bien, chers amis, sais-tu qu'on va se quitter? On ira chercher la maman d'Yasmina et son frère. Et là, pour le moment, je vais te pêcher un peu. Personne ne l'aime, mais si vous voulez mon avis, c'est le seul qui sait quoi faire. Quand on est dur, difficile d'être apprécié, je me trompe. Sauf que les gentils finissent toujours à la dernière place. Vous voyez ce que je veux dire. Tu paries? Je suis un gentil, je vais finir premier, mon petit gars. Comme d'habitude. Alors, j'aurais bien pioncé un coup, la journée était longue. Parfait. Bon app, les mecs. Bon, au moins, c'est pas la crise de bouffe chez vous. Journal des geeks. Mes chers amis, en cette belle nuit étoilée et constellée de lucioles ultraviolettes, bref. Très réaliste tout ça, mais bon. Au moins, on a encore du jus. C'est cool. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A bientôt pour le prochain épisode.